Tac, je le freine doucement. Ok. Oh là là, on met des CGI pour faire ça. Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. On va profiter de ce petit moment ensemble pour réaliser quelques petits défis avec tous les obstacles que j'aurais pu récupérer dans la cour. Premier défi, c'est la poutre d'équilibre. On va essayer de la faire de manière normale pour commencer. Bien sûr, j'attends vos retours dans les commentaires après cette vidéo pour me proposer de nouveaux défis. À chaque fois, j'ai une palette bleue de départ et une palette bleue d'arrivée. Faire une sorte de Ninja Warrior si vous voulez. Ici, j'ai une grande poutre, ça va me servir à travailler l'équilibre. Je vais essayer de la faire de manière normale et après, on verra si on peut faire des variants. Allez, premier défi, il va falloir traverser cette poutre qui bouge un petit peu. Celle-là, c'est validé. Alors la poutre est un petit peu bancale, mais je lance le défi de faire la traversée sur la roue arrière. Ouais. Je vais lancer le wheeling quand j'aurai les deux roues sur cette poutre. Voilà, impeccable. Oh yeah. La poutre bouge quand même pas mal, donc c'est pas évident de faire ces défis, mais on va faire plus dur. Pour mon deuxième parcours, je vais rester dans un parcours de maniabilité. Il y a un deuxième poteau là-bas, comme celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rapprocher celui-là ici. Là. Ah, je vais mettre ça là. Je vais le mettre parallèle, un peu plus comme ça. Et je vais mettre ma palette bleue d'arrivée, comme tout à l'heure. Voilà. Ça va, celui-là est stable, celui-là pas du tout par contre. L'idée ça va être de passer d'une poutre à l'autre et bien sûr arriver sur la palette bleue pour valider ce défi. On va être sûr de la précision et je crois que ça commence à bien bouger. On va tester. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Oula, la première elle bouge vachement. J'ai décalé l'avant. Là, on va y aller tranquille. Et voilà. Ce que je vais essayer pour compliquer la tâche, je vais essayer de rouler, de sauter les deux roues d'un coup pour réceptionner sur cette deuxième poutre et aller jusqu'au bout. Là, ça commence à être très très chaud. Ah, le saut. Ah, ah, pas long. Hop, il y en a un peu l'élan là. Oh oui. Ok, allez, ça repart. Là. Là, la suspension. Parfait. Oui. Yes. Pas facile ce défi. Allez, on va essayer de trouver de nouveaux obstacles qu'on a dehors. On a des trampolines ici qui peuvent être vraiment sympas. Je vais essayer de construire un petit parcours avec les trampolines. Allez. Allez, on va tester avec un premier trampoline d'abord. L'idée, ça va être de reprendre cette poutre qui bouge un petit peu, sortir wheeling ici, un bond sur la roue arrière et replaquer sur cette dernière palette bleue. En venant de la poutre qui bouge, ça va être chaud. Allez, go. Ok. Oh, ça bouge. Ok. Wow. Avec un trampoline, ça va. On va essayer d'utiliser les deux. En faisant cette fois-ci, saut, replaquer les deux roues. Et le but, c'est de être catapulté directement sur la palette bleue. On va voir. Allez, test. Dans l'idée, je pense que c'est possible. Ça va tenir. Pas mal pour prendre des figures, ça. Ça le fait, hein. Maintenant, c'est le défi. Allez, ça va, c'est cool. Faut trouver plus dur. Petite variante avec les trampolines. Je vais changer l'arrivée. Si je mets mon arrivée là, avec le rebond, je fais un 180, j'arrive là. Et le rebond, ouais, c'est chaud. 180, il est chaud. Ah, ça rebondit pas tant en fait. Plus ça, faut que ce soit plus loin. Ok. Là. Bon, on va arrêter avec cette poutre, on va essayer de trouver un nouveau défi. Allez, j'ai trouvé quelques petits plots, on va s'amuser. J'avais déjà mis sur mon Instagram un petit flip du plot. L'idée, c'est d'arriver avec le vélo comme ça, shooter juste ici et de le relever. Je vais essayer avec un, j'en ai fait deux, j'essaierai avec trois peut-être. Avec le trial, c'était plus simple, mais je vais vous montrer une nouvelle technique déjà pour le relever ici. Alors, il y aura deux techniques. La première, ça va être d'arriver avec un déplacement comme ça. Et là, le relever. Boum, premier coup. La deuxième technique, c'est d'arriver avec de l'élan, frôler légèrement ici et le relever. Là, ça va être un poil plus compliqué. Ah, trop fort. Hop. Ah, sur des graviers, j'ai un mauvais grip du plot là. Hop, le jump. Tout doucement, en douceur. J'ai trouvé une super technique d'ailleurs pour le relever. Je suis arrivé ici, j'ai freiné, je l'ai écrasé, je l'ai replaqué. Ça passait bien. Bon, le premier, ça c'était facile. Je m'attendais quand même à le réussir. Maintenant, avec deux plots, ça va être différent. Je vais le mettre
comme ça. Et je vais faire la même technique, sauf que quand ça va se lever, le deuxième devrait se lever. En douceur. Tac, je le freine doucement. Allez, du premier coup. C'est pas beau ça? Et bah si deux ça passe, du premier coup en plus, facile, ça me plaît. Je vais essayer trois. Alors là, il va falloir faire un montage un peu plus compliqué. Et le troisième, il va falloir réfléchir à comment le lever. Est-ce que je suis pas mal là? Si je fais ça, tac, je pense que je suis pas mal là. Bac plus 5 au moins pour penser le truc. Ok, j'essaie comme ça, on verra. Là, ça va être plus chaud là. Là. Ah, toujours le dernier. Je les ai mis plus raides les deux derniers. Faut que j'arrive au smooth sur celui-là. Deux. On se rapproche du truc là. Vas-y, je mise tout comme ça. Changement, j'ai mis les deux à 90. C'est parti. Oh, ça aurait pu être magnifique. Là, bien smooth sur celui-là. Trop proche. Là, bien smooth. Non. De toute façon, ce genre de truc, c'est un peu de la chance. Hein. Là. Là. Oh là là. Là, propre doucement. Hop. Oh. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Vas-y, vous savez quoi? Trop chaud, j'en prends un en plus. Je me dis, quitte à attendre le malentendu, autant en faire un en plus. 1, 2, 3, 4. 4 plots à soulever. Allez. Là. Ça va être magnifique. On va réfléchir au combo. Un comme ça, un comme ça, un comme ça. Tout est relié. Obligé, ça passe. Oh. 2 sur 4. Ça s'améliore. Toujours 2 sur 4. On a les deux premiers. Celui-là, je le change pas. Je vais changer ces deux-là. Deux. Ça va le faire, moi, je vous le dis. S'il faut y passer 15 ans, je vais y passer 15 ans. Je veux réussir ce truc. Là, hop, là. Oh, ça fait mal. Ouh, il y avait un truc. Que en les orientant comme ça vers l'arrière, effectivement, peut-être moyen d'en faire un truc. Allez. Oh, ça va être magnifique. Oh non. Ah, c'est près du but. A few moments later. Yes. Woo. Putain, ça fait plaisir. Oh là là. Combien d'essais j'ai mis pour faire ça? Yes. Ne lâchez rien les gars, ne lâchez rien. Et j'attends vos commentaires pour me proposer un nouveau défi. Merci à tous, j'en peux plus. Allez, je suis rincé. Ciao. Yes.